Mesdames et messieurs, encore une fois, nous sommes bienvenus ou sous TV Lakay. Son plaisir pour nous avec chaque grand fanatique nous encore pour nous continuer à informer sur donc ça cap dominer pays d'Haïti. Et n'a profité remercier avant même nous entrer dans le détail que nous toujours fait dans chaque vidéo n'a présenté. Et bien pour nous remercier tout le monde qui pas jamais lagué nous là qui fait nous confiance, qui choisit nous tout pour informer sur et bien ça cap bouleverser pays d'Haïti ou bien monde là parce que nous même nous tout côté n'a cherché information pour nous porter pour vous. Je dis à la donc il y a un pile information nous porter pour dans vidéo ça surtout dans dossier assassinat ex-président pays d'Haïti Jovenel Moïse. Eh bien, ou pas saisi tendez, yon nan qui était responsable question renseignement en dans palais national. Eh bien, monsieur, j'étais personne pas qu'on écoute lié et pas gen moun qui pose question qui bon citoyen ça li même lié dans moment actuel kounye a même n'a parlé. Et gen instant de Lucas tout qui même continue frapper et monsieur finalement révélé eh bien qui mule l'attaque bourgeois qui au même responsable zak assassinat ça qui fait sous président Jovenel Moïse. Nous pas invité ou tendez. Et tout détail, restez connecté sous vidéo. Pour si là, vous pouvez abonner avec le canal, pas hésiter à faire ça avant même de regarder la vidéo. Ça, une façon pour toujours recevoir notification de chaque live ou bien nous poster une vidéo sur le canal. Ça. Où est passé information. Où est passé Antonin Jean-Éric, alias Gros Éric, un agent de l'USP responsable de. Du service d'intelligence du président de la République. Est-ce qu'il est en cavale? On veut savoir exactement où est passé Anthony Jean-Éric, alias Gros Éric. Ça est passé. Monsieur, tu es là, j'en amène pour faire intelligence à Palais National. Eh bien, c'est monsieur qui est responsable intelligence à Palais National. Qui boit Anthony Jean-Éric passé? Côté monsieur, qui ça l'a réglé? Qui ça fait président mourir? Qui fait information à circuler? Pour 2 pour 15, dans la RIA, Antonin, Jean-Éric, pas arrivé, by bon genre information à renseignement sous question, l'amour président. Est-ce que la police a cherché Jean-Éric? Nous besoin qu'on est, c'est-à-dire nous poser question. Où est passé Antonin, Jean-Éric, alias Gros Éric, monsieur qui était responsable, le service d'intelligence du Palais National. Je me rappelle quand j'étais au Palais. Le service d'intelligence fonctionnait comme ça doit. Et de fait, nous dévier de coups enragés contre le président Boniface Alexandre. Parce que pas oublier, c'est qui le président Boniface, oui. Ah oui. Comme si dit ça. Oh. Il le tué Boniface. Comment ça, oui. Oh. Oh, m'en est pas maté là-tout. Pour qui ça, là? Eh bien, c'était le président d'Haïti. Après Jean-Maître Aristide, qui vient prendre pouvoir. On s'en a dit. Ouais. Boniface, son groupe. Il y a marre complot pour tout et Boniface Alexandre. Eh bien, nous avons une équipe nous là, qui est solide dans le palais national. Tu as géré la sécurité président. Boniface, pas de jeu, non? Service d'intelligence, nous. La zone. Avec Casséus. Avec Casséus. Eh bien, nous gérer la sécurité président. Ou pas qu'un gros président, non? Ou pas qu'un gros premier ministre? Oui. Ouais. C'est le premier ministre qui a dollars. Et puis, ou même, vous servez comme gilet pas mal. Oui, mais tu connais comment toute la journée, hein? L'humeur accueille, tu vois là dessus. Non, tu es ah ouais. Toujours gagné, mais. Je ne fasse pas jouer à la jeune, papa. Président, il parle. Sentime là, hein? Ça! Eh, vrai! Il était un grand chef de cabinet, tout. Bon, il fasse Michel Alexandre. Ouais. Pas jouer à la jeune, le chef là. Pourquoi c'est Boniface? Pourquoi c'est Boniface? Ah non, eh. Parlez, mais maté, parlez! Ou dis-y, ou quoi c'est Boniface? Et parlez! Non, parce que. Parlez! Non, parce que. Boniface, pas de. Son pote est moi, maté. Boniface, pas. Tu veux ça, Gonco? Boniface, pas. Qui ça? Boniface, pas, Gonco. Mais maté, la doute? Boniface, pas, Gonco. Boniface, Alexandre, pas joué à la jeune. Ça qui vient de bouler, il faut venir dans le même clé. Il faut compter le dollar à dollar. Il va garder sous la chambre, mais parti par là. Si vous faites, je te fais là. Boniface, pas ça va comme. C'est ça, hein? Ouais, parti par là. Paul Jouni. Paul Jouni. Claire Sousa. Claire Sousa. Alors, il faut me dire que justement, là, il était un gros chef de cabinet qui c'est Michel Bouinache. Ah ouais. Bon bagay. Ah ouais. Jean-Michel Bouinache. Michel Bouinache, c'est un gros chef de cabinet du président de la République. Et de fait, si Jovenel Moïse était un chef de cabinet, à la trempe de Michel Brunache, moi garanti,
bah là, ça qui passe là, pas d'a passer comme ça. Et, pas vous rappeler nous, Jean Aguel Civil, yon responsable 4 dans le moment, monsieur, c'était responsable 4 team dans le national, les amis, dans le moi-même personnellement. T'es gagné ancien député Léo Gadnan. Ancien député Léo Gadnan, qui c'est. Et rappelez-moi non député, ah, député Léo Gadnan. Hippolyte. Non, il n'y a pas d'autre. Hippolyte. Laisse à Hippolyte lui-même, t'es dans 4 là tout. De forme que nex a été géré sécurité président. Très bien. J'étais un bon policier qui était un bon policier qui est débuté. Donc, je ne connais. Mais l'essentiel, c'est que sécurité président ou pas quoi ça. Très bien. Ok. N'a souhaité un propre établissement donc à l'ancien commissaire du gouvernement, mettre dans ton léger. Ah, il va te porter le bien. Moi, j'ai tenté plusieurs fois à relire, je ne vais pas que mais c'est relire tout le bagage. C'est sur les réseaux sociaux, moi, on sait. C'est une présentation que le député léger fait. Ok. Et probablement, le monsieur te font 1000 strokes. Ah. Et tout bébé, on te dit que le bébé, c'est pas. Ou bien elle fait stroke donc mais bon t'as beau bravo on va parler ok il va des niveaux l'attaque là mais et débuté et dans ton léger comment c'est fait mieux il commence à reprendre ni et vraiment nous souhaiter lui un propre établissement donc à l'émission matin débat ok alors ce qu'a dit sur internet là donc c'est pas ça ok alors il te font mini stroke. Et il y a un bon pratiquement qui était presque allé. Okay. Et c'est ça fait que il y a une difficulté pour te parler vraiment. Ok? Donc, même la présentation. À la seconde. C'est des pièces. C'est à la seconde. Et bien, écoute. Et moi, je me coûte quelque chose. Depuis avant l'assassinat de président Jovenel, je ne peux pas te porter bien. En tout cas, on allait. Stanley Lucas, comment nous y est? En forme? Ben, nous saluons à toutes. Et nous saluons l'Exidor et nous saluons toute l'équipe radio ensemble avec l'auditeur d'attendre au matin. Et par rapport à ça, on dit sous question nationaliste et relations avec les États-Unis. Mabdou, premier côté, c'est côté d'accord avec vous. Côté d'accord avec vous, si nous avons un dirigeant tout bon, relation que les États-Unis gagnent avec Israël au Moyen-Orient, c'est lui-même, nous-mêmes, qui avons gagné avec les États-Unis dans les Caraïbes. Là. Son bagage m'a répété depuis longtemps. Mais premier bagage là, pour nous définir une relation de haut niveau comme ça avec les États-Unis, même si Israël fait, il faut que nous avons une classe politique qui définisse l'intérêt national du pays. Malheureusement, et surtout dans l'opposition, ou pas Jean-Cajon, politicien, qui a dit qui ça qui représente l'intérêt national du pays d'Haïti par rapport à États-Unis, par rapport à la République dominicaine, par rapport à une série de l'autre zone dans le monde. Là. Deuxième partie, ça c'est côté Mbada, quoi avec quoi. Et nous mettons masse peuple là, ok? Masse peuple là, tant qu'on a sa l'os, rété nationaliste. C'est classe moyenne, pas nationaliste encore. Et là, vous avez parfaitement raison. Soit chercher nationaliste dans la classe moyenne, vous envoie en voie de disparition. Mais masse peuple, dans l'identité, dans le monde lié, il était entièrement nationaliste. Et c'est ça qui dicte le comportement de Asalos Tegen dans l'enterrement président. Parce que le monde qui est dans le peuple, il était monde tout bon et il était haïtien. Tout bon. Identité, ça, il était intact. C'est la classe moyenne qui vend nous. Bon, je dis à Louko fait 35 jours depuis que assassin, criminel, massacré, tué, président Jovenel Moïse. Et bagay qui est important pour le peuple, c'est qu'il y a bay président justice. Et gon lecture que le peuple a fait qui est très clair en dedans pays. Yo connaît que, à part quelques éléments, gon gros parti dans le système judiciaire qui sont partis dans l'État, qui pas nan men, nous-mêmes qui dans la classe moyenne, nous-mêmes qui fait partie de peuple. Gon parti dans le système judiciaire, c'est milat volé qui contrôle. C'est milat volé ça yo et criminel,
tal pour un juge que les juges Ivikelda à Brésil, dans la Cour suprême de notre pays, mettez-le en coup d'État pour tuer le président 7 février. Les coups d'État pour tuer le président Tabar 7 février échoué, c'est même mis la volée criminelle ça a eu, qui prend l'État en main nous, parlons l'autre juge, qui est le juge mécène, et qui remet Thio, qui remet M. André Michel, ou Théo et vidéo comique, André Michel qui a fait mécène dit 1, 2, 3, 4, son j'ai ça. C'est même mis la criminelle ça encore, car le troisième juge, juge Wendelko, vient mettre dans massacrer tout le président. Donc, quand je parle avec vous là, bon gros phénomène qui a passé dans le pouvoir judiciaire. Dans le pouvoir judiciaire, on sait de greffiers et juges qui ont intégrité, qui rendent compte que Milad Volé et criminel pour partie dans le pouvoir judiciaire dans l'État. C'est Milad Volé qui a dicté décision qui doit prendre dans le tribunal. C'est pour ça que grand paquet dans juge ça et greffier ça et sans des salines monter dans tête yo. Yo pas pas faire personne abus mais et yo même yo connaît clairement que faut que la loi faut citoyen égal devant la loi. Ça veut dire qu'on riche qu'on pauvre, qu'on monde la ville qu'on monde dans monde. Qu'on chef, qu'on pas chef, qu'on ti rouge, qu'on ti noir, la loi doit appliquer même gens à tout le monde. Je dis à ce n'est pas le cas. Soumis là dans le pays, la justice très tronçon, sous son aigle, classe moyenne, ou bien en masse là, non seulement on est en prison, en détention préventive, ou qu'on fait 4 ans en détention préventive, et puis on va au même juge. Tandis que les gens qui sont criminels, qui ont tout le monde, qui n'ont pillé l'État. Regardez, ma bon exemple. Unité de lutte contre la corruption, semaine passée, a sorti 10 rapports détaillés, Louko, qui montraient comment Reginald Boulos a volé l'État. Comment il y a au moins 4 Boulos qui a volé l'État. Comment Jean-Henri Séan, Pierre Espérance a volé l'État. Louko, Mbo, si c'est ou même ta tout, ou bien l'exidocte non bagaille comme ça, nous en bas déjà même. Ça veut dire que le système judiciaire n'a même pas yo. Et j'entends tout te dit le matin, si nous voulons construire une société démocratique, côté pas de justice, pas de inégalité, nous devons appliquer la justice à tout le monde. Ce n'est pas normal que le président qui mourit 35 jours après, il y a ben nous non mon unité qui impliqué dans tout le président. Il y a ben nous non policiers qui impliqué dans tout le président. Louko, si c'est où tu es financé pour tout le président dans la partie financière, nous avons non déjà. Déjà, ouais, si c'était moi-même ouais. Ou bien tu as tout, yo, qui j'en fait que gros bourgeois qui finance tout le président, ni la volé criminel, yo, nous pouvons pas compter non. Yo. Louko, bagay la pa ka passe comme ça. Ouais. 2021 pa ka 1806 Louko. Nous pa ka y personne. 2021 pa ka 1806. Et c'est pour ça qu'il y a deux camps qui existaient en dedans pays. Il y a un camp minoritaire, un camp majoritaire. Toujours dans deux camps ça. Il y a un camp qui a bloqué enquête, un camp qui veut justice. Un camp qui a bloqué élection, un camp côté peuple a fait voter, le besoin de voter pour le mettre 59e président. Gon kan ka fè insécurité à monter, majorité à lui-même livre de sécurité. Gon kan ka bloqué enquête spéciale Nations Unies, majorité à vle enquête internationale là. Gon kan et ou même ou baladan. Même tout ça, Louko, on connaît à forain loi pas bon, et pas deux comme nos oligarques qui a baï semaine ça pour pas parler dans radio même. Ah bon? Et à mon chèlem dou comme nèg yo a vidé non série de émission pour pas parler. Parce que l'aime parler, le peuple a comprendre. Et dans ce sens, ça, faut me respecter le pluralisme politique et la tolérance démocratique qui vient dans le matin débat. Parce que ou même, ou t'as rien droit prendre cop dans mes nègres, ou pas quitter me parler, ou pas faire ça ou même. Ou quitter tout le monde parler. Donc, quand cap mette babouquette dans la radio, quand qui pour liberté la parole, quand cap marche à oligarchie, quand qui avec majorité a. Quand qui pour système là qu'on connaît qui dans transition yo c'est dans système là yo veut qu'un système là parce que tout vieux contrat c'est pas dans transition que yo fait pour système là qui permet aux ligas d'une vie sous le peuple là gain quand qui anti système gain quand transition gain quand élection
Ou pas qu'à fin de dire, ou fin tout, il y a 58e président pays, ya. Tout le monde connaît ce l'article 149 là. C'est le gouvernement, le premier ministre qui assume le pouvoir exécutif là jusqu'aux prochaines élections. Et pas le premier ministre pour continuer. Le gouvernement et le premier ministre. Parce que le premier ministre n'est pas le pouvoir exécutif dans le cadre de l'article 149. C'est le premier ministre et le gouvernement. Ou pas qu'à dire qu'au fin tout, il y a un président. Et puis, conseiller de nez qui n'a marché pressé. C'est le plus gros honneur côté qu'a fait démocratie, Harry. Que vous touillez 58e président, vous touillez votre peuple là. 59e président nous dit, nous pas quitter transition faite encore dans le pays. Ya. Ça a vote pour tout nègre qui n'a politique connecté ou pas rentré dans le palais national encore sans vote. Avez dit que depuis qu'on a quitté, on est rentré dans le palais national sans vote. Avez dit que nous faisons commencer tous les présidents dans le pays. Ya. Transition. Clair. Donc, bon camp qui n'a violence, bon camp qui veut la paix, bon camp qui raciste et bon camp qui pour le noirisme démocratique. Quand il raciste là, gonti groupe dans le pays là. Yo même qui pillé l'état. Yo même qui nan crime contre peuple là. Ti groupe là ça très raciste lui et faut nous parler de lui. Faut gon émission Louko Désir pour venir parler du racisme systémique en Haïti. C'est pas seulement aux États-Unis côté président Joe Biden a parlé de racisme systémique qui gagne dans la société américaine là. Gon racisme systémique dans le pays, qui fait que gon petit groupe milat qui vient à haut, gon sous moun noir. Ok? De ça, faut nous discuter en dedans société. Son culture de réconciliation, une culture de bien vivre ensemble pour nous développer dans le pays, mais pour nous développer, il faut parler de racisme. Ou pas qu'à l'on paye, gen 99% moun noir là-dedans, et puis le va regarder qui moun qui riche, qui n'en groupe là, pas ouais. Tout bel côté dans le pays qui gagne plage loi le des côtés moun noir qui gagne plage tout pas rien. Gon racisme systémique qui existe dans la société a. Une bagaille qui fait beauté et rêve américain et société américaine nan. Chaque année yo fait le 28, c'est le 28 janvier, président américain vient faire un discours vient bailler l'état de l'union. Nous même depuis 1804 côté nous vient faire l'union fait la force là, nous pour jamais faire ça reler état de union pas noir. Dans union pas noir, moun noir pas moun. Dans union pas noir, moun noir pas gain accès à richesse. Union pas noir, moun noir pas gain éducation, accès à éducation de qualité à la santé. Li pa ka gon union côté bon groupe milat raciste kande dans pays a k ap menon politique raciste konkou san Afrique du Sud que nous y les te gen apartheid et puis pour nous tout nous camper n'ap garde et puis gen 2-3 nèg qui gen folie transition qui d'accord avec eux. Nous pa ka nan politique minoritaire ça, faut pays a gon politique majoritaire et l'égalité des chances pour tous. Politique raciste ça faut gon moun qui vinn met un point final là dans pays a. Même pareil milat pa contre milat. De 2000 lacs dans le pays, c'est monde de bien, ils ont traité tout le monde égal. Mais une série de 1000 lacs racistes qui sont dans la société, qui ont mené une politique criminelle et pillé l'État, nous devons mettre un point final sur lui. Tout le monde peut discuter de cause ça. Mais je pense que si on cause qui doit discuter dans le matin débat, comment pour nous venir avec une nouvelle idéologie qui est le noirisme démocratique, noirisme démocratique n'a pas eu personne. Livrer seulement l'égalité des chances pour l'homme noir. Pour mettre l'homme noir, la femme noire d'Haïti à sa place dans sa société. Le noirisme démocratique, c'est pour mettre l'homme noir, à garçon noir, dans la place en Amérique latine et dans la Caraïbe. Je répète encore, nous avons 210 millions de noirs dans la région pas noire. Nous avons 100 millions qui sont en misère. Ils n'ont pas accès à l'éducation, à la santé, aux opportunités économiques. Je vous dis, regardez les richesses qui sont dans le monde. C'est produit 400 ans d'esclavage des hommes et des femmes noires qui mourent pour richesse. Moun noir, garçon noir, femme noire, pas de place dans richesse. Donc le noirisme démocratique, c'est pour venir mettre l'homme noir et la femme noire, pas seulement à sa place en Haïti, en Amérique latine et dans la Caraïbe, et au niveau global. Même je n'ai gagné le socialisme, je gagne le conservatisme, je gagne un paquet d'idéologies politiques contemporaines. Nous-mêmes, nous noirs, tout, il faut nous créer une idéologie qui représente valeur démocratique, valeur ancestrale, valeur économique, valeur sociale, nous, pour nous défendre l'idéologie ça à travers le monde. Même j'en ai des qui défendent et affiliés au socialisme démocratique, c'est le capitalisme, le noirisme démocratique, il y a des éléments de la démocratie là-dedans.
le noirisme démocratique gagne des éléments du socialisme, du capitalisme là-dedans. C'est ça que beauté noirisme démocratique là. Donc faut que nous goûmen pour lui, mais racisme systémique là, louko, faut qu'on émission sous lui. Tendez frère. Très bien, très bien. Maintenant, et comment on est capable de finir avec la division dans le pays hein? Cette lutte bon, de c'est l'éducation, louko. C'est l'éducation. Et qui ça fait pas une différence entre Américains et la plaisir? C'est le système éducatif, oui. Nous avons un système éducatif à la base qui crée division dans la société. Il faut uniformiser l'éducation haïtienne. Ici, aux États-Unis, si Américain, quel rouge, quel blanc, quel latino, quelle que soit la couleur qu'il y a, il gagne même valeur qu'il apprend dans l'école. Là, c'est pour ça, Américain. Depuis, il nous retrouve l'autre. Dans n'importe quel pays, c'est même valeur qu'il a défendu. Donc, question qu'on pose, il y a une réponse simple. Il faut des gens sérieux travaillant sur un système éducatif qui forme l'haïtien. Qu'on en monde, qu'on la ville, c'est même qualité d'éducation qu'on joigne, c'est même qualité de citoyen que vous formez. Donc il faut revoir notre système éducatif. Mais racisme systémique, il existe dans la justice. Comment voulez-vous que nos sociétés, pour des milliers corrompus, gagnent contrôle ça sous pouvoir judiciaire? Comment on a fait jouer difficile? Ou pas, ouais, gravité bagaille là? Mille avocats, les criminels, ça y est, après trois juges, dans le tribunal qui pire dans la société, et pour ça, on sait des juges, on sait des greffiers qui sont dans le système judiciaire, sans y abouiller, il est où les bagages, ça y est. Mon qui, parce que, bon, moi, bon greffier qui te dit, vite à voir, ben, moi, et 20 non-juges qui restent avec mille avocats. On dit, ah, pas fait ça. On dit, oh, ouais, bon paquet de greffiers à juges qui révoltent qui. Qui, son dernier texte que Cyber écrit sur le système judiciaire, qui font paquet de juges, et on va. Parce que dans le système judiciaire noir, nous avons de vrais greffiers, de vrais juges qui parlent en corruption. Hein? Nous avons révolté par rapport au développement 7 juillet. Lui mettait en sorte de. C'est comme d'adou, où est long volcan, lui commence à cracher et là-bas. Mm-hmm. Eh bien, juste ça, c'est comme ça. Oui. Parce que juge qu'on est au propre. Nous connaissons nous-mêmes, c'est un greffier autour. Donc, on révolte dans le système judiciaire, pas seulement Milak, non, mais on sait des nègres dans la société à nous obliger à questionner. Les Madistins, les Espérance, les Gédéon Jean. Imaginons, frère, pour que la justice a cherché Ivikel da Brésil avec Wendel Kok comme monde qui participait dans tout le président. Et puis Gédéon Jean a fait promotion pour Rogaville Bouaguené à réinstaller Mounsayo qui finit commettre crime alors que coup des comptes pas même autorité. Non, n'importe qui pays. Il a arrêté Nexayo, il a arrêté Rogaville Bouaguené. Jodi a fait nous une série d'abcès pour nous créer. Faut nous créer abcès pour nous bâtir une société nouvelle. Nous besoin d'un nouveau système judiciaire qui propre. Ensemble de Jissayo qui se reste avec Milad Volet, faut nous camper dans la société. Pour que juge qui a intégrité émerge. Parce que nous-mêmes, Koukou et t'as tout été dit dans le commencement de l'émission. En société qui doit fonctionner en tant que société, il faut faire les sous-bases de la justice. Donc, dans ce sens-là, moi, je pense que la révolution dans le même système judiciaire, côté conseil des juges, ils ont parlé pour faire une révolution, ça, pour nettoyer le système. Là. Et quand je parle avec vous là, tout greffier, tout juge qu'on est, qui juge, qui greffier, qui a touché dans le même milieu de vol et criminel, vous savez. Très bien. En tout cas, eh bien, merci en pile, Sané Lucas, merci en pile. Mon cher, c'est moi pour remercier et gagner l'air, gagner des paroles, c'est qu'on coupe parole qu'on parle à l'air en matière de souveraineté nationale et de patriotisme et nationaliste. Yeah. L'on parle et on lui dérange, mais le bon pour la société. Mais normalement. Mais nous venons là, nous ne venons pas jouer. Et vérité. Mais nous venons rêver à faire le bon pour la société. C'est clair. Et nous ne parlons pas d'hypocrisie à personne. Voilà. Et nous ne parlons pas d'un bluff tout ça. C'est ça. Ouais. Et pour ça, débat inconfortable, ça, il y a des lèvres nécessaires. Ouais. C'est eux qui doivent faire nous progresser. Claire. Et c'est pour ça, si nous voulons paysans, citoyens normaux, la vie, nous reprenons confiance dans la justice, conseil des bagages qui devraient faire. Et puis, bon, nous-mêmes, nous ne pouvons pas juger là, ni en noir, ni en blanc. Et c'est pour ça, nous disons, quel que soit le juge qui vient dossier dans mon là, juge fille ou bien si juge garçon, les amis, société a gardé nous. Espoir nous, c'est dans la société. Là. Parce que pendant 3 ans et demi qui sont passés là, il y a 3 juges qui entrent dans la politique. Et feu René Sylvestre, faut bal crédit ça. Le 8 février 2021, nous étions sortis en communiqué. Nous étions dit tout juge qui a un bureau d'avocat ou qui est dans la politique, bail démission à leader politique. Pendant 4 ans qui sont passés là, il y a 3 juges
et qui a signé un communiqué dans les affaires politiques. De vous êtes juge dans la politique, ce n'est pas bon pour le pays. Ou juge, vous êtes dans l'affaire juge, vous êtes dans l'affaire interprétation de la loi, vous êtes dans l'affaire juge. Mais si c'est pour affaires politiques, ben, démission, vous êtes leader politique, vous n'avez pas de problème. Non, mais pas non juge, là, vous n'avez pas ni avocat ni leader politique. Bon Dieu, ben nous, frère. Merci pour le courage, frère. Bon, c'est des next semaine, ça, il y aurait été voir gros cop pour pas quitter me parler. En tout cas, que là. Comme vous avez dit, il n'y a pas de bail, il n'y a pas de bail, il n'y a pas de bail. Que là. Merci, frère. En tout cas,